Hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play de Marois. On avait quitté Marois en train de faire de la peinture, on la retrouve en train de faire de la peinture. On va blinder un peu notre inventaire et aujourd'hui on va seulement retourner à la boutique pour voir si ça a une incidence ou pas sur la notoriété. Je suis bien curieuse de voir ça après celle-là. Oh! Bah, tu reprendras celle-là puisque tu l'avais pas continuée. Hein, donc, ça devait dater avant les vacances à Selvadorada. Elle est mignonne celle-là. J'espère qu'elle vaudra cher. Ah, c'est soirée en ville. Donc nourriture et boissons gratuites. Ouais, bah c'est dommage parce que nous on est des vampires donc on va pas trop utiliser ça. Oh la lune. La luna. La luna disparaît. Derrière les immeubles. Oh, c'est beau. Waouh. Wow, that's fantastic, baby. Marouane, t'as fini ta toile et elle vaut 1080, c'est pas mal. Tu vas l'encadrer et on va la mettre dans l'inventaire. Ah, tiens, qu'est-ce que notre fille vient faire là? Elle va bien, qu'est-ce que tu... T'as mangé? T'as fait tes trucs, hein. Tu vas... Faut que tu te sois en forme. On est vendredi, donc il y a école. Eh oui, il y a école. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Ça, c'est une bonne question. Oui, tu les as déjà faits. Oh, bah c'est bien, tiens, tu vas t'entraîner un peu, authentifier un objet ancien. T'as vachement de trucs dans ton inventaire, toi, donc tu vas en profiter. Oh là là, mais qui c'est qui gueule comme ça? C'est Athéna, hein? Tu vas fermer ta gueule, Athéna, un peu? Oh, c'est pas possible, ça! Ouais, rou, ouais, moi aussi, je peux le faire. Oh merde! J'avais oublié qu'elle allait cramer, elle. Rentre! Rentre! Elle a pas encore tes pouvoirs. Oh là 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 là, ma pauvre. Oh là là, ma pauvre. Oh là là, ma pauvre. Vas-y, remets-toi un peu en énergie parce que là, j'ai failli te faire cramer, quoi. J'avais oublié que le soleil se levait. Et j'ai oublié qu'elle avait, qu'elle était une vampire, tout simplement. Encore hein. Encore fébrile. 10 simflouz de plus. Qu'est-ce que tu fais, toi? D'accord, ok. Tiens, on va... Il avait déjà. Vas-y, reprends l'écriture de ton roman qu'on voit un peu l'incidence que ça peut avoir sur toi. Parce que tu nous fais des romans avec un beau succès quand même. Hein. Une toute petite notoriété. Ouais, il est pas connu en fait. Pour l'instant, on n'y est pas. Allez, Marois, tu vas aller à la boutique. Ah, bah non, tu pues. Va te laver un vite fait. Tu vas changer sous la douche. Tu vas manger. Et après, on va aller à la boutique. Bah écoute, si Caleb a fini son bouquin, on ira avec lui. Sinon, bah, on ira toute seule. Hein, quand même. Voilà. Et nous revoilà à notre galerie. Ah oui, c'est vrai. Bah, bon, alors tu vas venir là. On va mettre nos toiles. Je vais mettre sur pause parce que sinon, elle va filer là-haut encore une fois à vitesse lumière. Tu vas mettre ça. Où est-ce qu'il y a de la place ici? On va mettre ça. Tu vas définir comme étant à vendre, définir comme étant à vendre. Et normalement, il m'en reste. Ça, c'est des photos. Celle-là. Ah, ouais, il n'y en a pas 15 000. Voilà. Et puis, tu pourrais reprendre celle-là. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va ouvrir la boutique. On va bien voir ce que ça fait. D'ailleurs, les vases sont encore là. Est-ce qu'ils sont pourris ou pas? Qualité normale. Ah ouais, bon bah, sous d'habitude, ils pourrissent un peu les trucs là, ça va. On va voir si ça fait quelque chose d'avoir une boutique et d'ouvrir la boutique. Et discuter, on va voir avec les gens. Tiens, c'est Lisa Lambert. Je te connais pas, toi, je t'ai jamais vue. Peut-être qu'il y a du nouveau dans le quartier, ce serait pas plus mal, hein. Voilà, il y a du monde qui arrive. Tiens, viens saluer les clients quand même. Faudrait pas qu'on soit mal poli avec eux. Voilà. On a déjà l'impression qu'elle est en mode super connue avec tous des fans autour, mais non, juste elle essaye de vendre quoi. Donc pour l'instant, on a 4 clients potentiels et après on a des flâneurs. Et parmi notre ancien client, il y a notre ancien voisin qui est là. Donner un cours d'archéologie. Non, ben non, magasin plutôt. Et voilà, tu vas discuter de tout ça avec tout le monde. Faut conclure la vente. Ouais, je me souviens plus, on avait acheté un truc pour... Non, non, on avait acheté
Je sais plus ce qu'on avait acheté comme, comme avantage, mais ça va venir. Waouh, ça a bien monté! Ouais! Elle va chanter une chanson du jour férié. Des informations. On va surtout discuter avec les clients parce que les autres, ils font que flâner. Donc, voilà, voilà. Oh là là! Oh là là! Non, mais ils sont graves. Elle se met à chanter la chanson et ils sont tous en train de chanter d'un coup. C'est énorme. Bon, allez, on va essayer de conclure la vente. Ah, c'est lui qui est le plus près de conclure la vente. Ok, ben on va essayer. Non, pas vampire, magasin. On va aussi conclure la vente avec. On croise les doigts que ça fonctionne. Hein. Faudrait vendre. Oui, comment ça monte? Oh là, c'est trop bien. Allez, vas-y, vas-y. Faut y aller. Ça y est, quel choix, quelle qualité! Oui, encaisser l'argent. Encaisser l'argent du client. Ça faisait longtemps que j'avais pas chanté ça. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu dans la boutique non plus. Hein, donc, Et en plus, bon, elle est toute seule, donc aujourd'hui elle doit gérer la boutique alone, quoi. Quel choix! Quelle qualité! Allez, va encaisser l'argent, Marois. Arrête de grogner. Encaisse l'argent. Ah voilà, ils t'aiment plus, les gens. Ils sont tous partis. Voilà, encaisse. Et hop là, 837. Ça va, tranquillou. Et pourquoi t'es aussi loin, Marotte? Je pouvais te mettre plus près, quand même. Mais bon, lui, il prend la toute nouvelle. Hein. Et puis, tu vas essayer de le retravailler au corps. Alors, ils ont arrêté l'école. 1180 Simflouz. Yeah! Ouais, ça fait 2018. Ah, comme notre année. Est-ce que tu peux lui conclure la vente, proposer des informations? Non, parce que t'es pas confiante. Suggérer des options. Oula, il y a elle qui est une cliente de plus, une vraie cliente. Et elle, c'est une flâneuse. Bon, on va voir. Oh oui! Quel choix! Quelle qualité! Encaisser argent! Oh putain! Il va quand même falloir que je fasse la toilette pour les clients parce qu'ils vont tous se faire dessus, quoi. Ça devient un complicado tout ça. Donc, vous avez pris la toile abstraite. Très bien. Alors, la livraison sera immédiate vu que vous la prenez tout de suite. Mais est-ce que vous voulez un papier cadeau ou pas? Non, ça ira, merci. Eh, 1421, youhou! Ça, c'est bon, ça! Arrête de grogner, Marois, c'est chiant! Alors, tu vas la saluer? Est-ce que tu l'as toujours pas saluée? Et la journée, tout ça. Oui, et j'ai enfin mis un toilette. Bon, sans lavabo, parce que j'ai pas que ça à faire. Mais au moins, voilà, ils pourront aller là et éviter de se pisser dessus et de pisser dans mon magasin. Et encore une cliente. Oui. Eh, c'était une flâneuse en plus. Cool. Ah, c'est cool. Donc même les flâneurs, ils peuvent acheter. Et ça c'est bien. Tu vas aller flatter elle aussi. Et oublie pas de la caisser. Hein, parce que là, ça va pas le faire sinon. Bon, pour l'instant, ça fait rien du tout sur son image, sur sa notoriété hein, d'avoir une... Non, non, question. On nous emmerde pas, on travaille. Bon, arrête de discuter, va encaisser. Allez, dépêche-toi. Voilà. Elle, c'est une flâneuse. Oui, c'est un client. Donc, tu t'intéresses un peu plus aux clients qu'aux autres. C'est normal. Les autres, ils puent du cul vu qu'ils veulent pas dépenser leur argent. Du moins, pas tout de suite. Il faut les travailler au corps pour ça. 1178! On a une toilette, madame. Vous pouvez aller aux toilettes maintenant. C'est ouvert à tout le monde. Bon, il fait 18h30. On va pas trop tarder non plus. Hein, parce que bon... Là, j'ai fait conclure la vente. Elle va conclure. Elle devrait acheter. Ah, ça y est, fait nuit. Oh, c'est un peu soudain, la nuit, par contre. Hein. Nous essayons d'améliorer notre relation. Merci beaucoup pour votre aide. D'accord, ok, très bien. Alors, tu conclus ou tu conclus pas? Allez, c'est bon là, ces deux-là, je les travaille et après, on ferme. Ah, j'avais pas vu réceptive à l'argumentaire de vente.
Réceptif à l'argumentaire de vente. Non. Ils sont tous réceptifs à l'argumentaire de vente. Bon. Allez, 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 là, il faut les travailler. Ça y est! Oui! Je crois que les deux, hein. Les deux en même temps. Fichtre, diantre, tu vas encaisser tout de suite leur argent. Arrête de grogner, Marois, s'il te plaît. Je vais devoir enlever tes pouvoirs et ton grognement, parce que c'est chiant. Allez, hop, va les encaisser. Va les encaisser, cocotte, au lieu de faire de la péter, là. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Marois! Mais, va encaisser! Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, elle est buggée. À la fin, bah oui, bah écoute, c'est vrai que notre petit lopin de terre de galerie commence à avoir de la gueule un peu, non? Regardez-moi ça. Oh, il y a mon truc qui a eu cassé, c'est vrai. Tu vas les réparer après. Voilà, 1351 Simflouz. Waouh! C'est bien, c'est bien, c'est bon. Encaisse-la! Encaisse-la! Ça fait deux fois qu'elle veut acheter, ma roi. Vas-y, dépêche-toi, je sais ta faim. Tant que t'attaques pas tes clients, ça ira. Et voilà, 1102. Tiens, Lily, t'es là! Oh, super! Demandez à se faire pousser. La balançoire. Mais non, mais on va fermer surtout parce que là, il faut qu'on rentre. Oui, on a gagné 8000 simflouz quand même aujourd'hui. C'est plein de du froid. Hein, parce qu'il fait froid. Mais on est en été. Ah, oui. Non, on est en automne, pardon. Voilà. Je crois que les trucs sont en train de. Ah, il y en a un qui est pourri. Tu pourras le jeter. Voilà, j'avais bien dit qu'il y en a qui allaient pourrir. Bon, on va enlever tout ça et puis après on pourra rentrer à la maison. C'est qu'on a bien vendu quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, on est de retour à la maison. Comment vont nos petits enfants? Ils ont pris soin de. Oh, lui, il a dormi, le bâtard là. Toi, tu manges, cocotte? Ah, ben non, on va aller te faire chasser. On va aller te faire chasser vu qu'il fait nuit. Calebou, tu récupères ton truc là et tu te remets à travailler parce que je suis sûre que tu n'as pas continué à écrire comme d'habitude. Tu boiras aussi un coup. Et toi, on va descendre pour attaquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, tu vas venir là. Voilà, voilà, voilà. C'est quoi? Ah, c'est le marché aux puces? Nabeshima est en train de s'enfuir! Mais non, pourquoi? Bah non, elle est là. Ouais, 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 ouais. Bah, elle est pas du tout en train de s'enfuir. Ma vieille mémère! Ma vieille mémère! Bon. Hey, mais il y a des trucs super sympas! Elle est belle, celle-là. Grande toile abstraite. Ah ouais. Combien? 1074. Ah oui, c'est quand même pas mal. Tu vas attaquer quelqu'un, donc on va voir si ça va jouer sur ta réputation aussi. C'est pas celui-là qu'on avait attaqué la dernière fois. Allez, tu vas prendre une petite quantité. Où es-tu? Je ne te trouve point. Oh, devant tout le monde! Devant tout le monde, voilà, voilà, voilà. On va voir si ça fait quelque chose sur sa réputation. C'était bon ton petit sang. Pourquoi elle pleure? Ah, parce que... Mais non, mais je suis sûre qu'elle est pas partie, Nabeshima. C'est planqué, c'est tout. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un raton laveur, là. Attends, attends, attends. On va attaquer le raton laveur, on s'en fout, nous. On va prendre une petite quantité de plasma. Erika Watanabe. Oh, 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 je ne suis perdue. Complètement perdue. Mais, je t'avais dit d'attaquer le raton laveur. Mais où est-il? On l'a perdu. Qui es-tu, toi? Toi, on va t'attaquer. Allez, hop, on s'en fout. On attaque tout ce qui bouge. Et même ceux qui ne bougent pas. Eh, mais c'est notre client de tout à l'heure! C'est pas grave. Maintenant qu'il a dépensé son argent chez nous, on peut le bouffer, on s'en fiche. Voilà!
C'est bien, ma belle. Disons, t'as 11 points. Qu'est-ce qu'on va pouvoir t'acheter? Immunité à l'ail. Force vampirique. Création de vampires. Oui, on va créer des vampires. Créer une hallucination. Forme chauve-souris. Détecter la personnalité. Toujours bienvenue. Étudiante surnaturelle. Hey, est-ce que toujours bienvenue, ça marche avec... Avec, comment ça s'appelle, Heure de gloire dans les... dans le club et tout ça. Buveuse médiocre. Peaufine. Ah non, surtout pas. Estomac affaibli. Buveuse coupable. Parce que c'est ça que j'ai pris pour ma roi et c'est super chiant. Contrôler des Sims. Ouais, t'es obligé de prendre un point faible. Allez, estomac affaibli. Voilà, on va commencer à s'amuser et à dire contrôler des Sims. On va aller voir ça. Vampire. Contrôler des Sims. Ordonner d'un méchamment contre elle. Allez, vas-y. Qu'on regarde. On va rigoler. Qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu vas. Fils de choix, vampire, contrôler des Sims. Ordonner de s'entraîner. Vas-y, Azenor. Il a rien fait, hein, et c'était facile, hein, quand même. Un dernier méchamment contre lui. Allez. Allez, entraîne-toi, Azenor. Faut que ça vienne. Ah, ça s'est retourné contre elle. Oh, bah, dis donc. Oh, bah non, Azenor. C'est pas possible, ça. T'es nul? Allez, fais une petite méditation obscure pour te remettre de tes. De ta forme. Bref, hein. Voilà, ma belle. C'est bien. Alors, et toi, t'as toujours pas fini ton bouquin? Tu as bossé un peu, toi? Elle s'occupe. Eh ouais, Nabeshima, elle est portée disparue. Bon, bah écoutez. Tu vas peut-être aller dormir, Aidan, non? Oh là là, elle est repartie pour... Ah, mon Dieu, mais c'est cassé ici, hop! Oh, je vous jure, tu vas nous refaire des toiles abstraites en sang et une toile pop art en sang aussi. Tu vas t'occuper un petit peu, Marmotte. Faut re-remplir la boutique. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas vu, du coup, d'image publique de notoriété avec sa boutique. Peut-être que ça ne marche pas. Aiden, si tu t'ennuies, tu peux nettoyer ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah bah c'est elle qui s'entraîne du coup. Bah remarquez, c'est pas plus mal, hein. Vu que j'avais fait un peu faire du sport pour qu'elle maigrisse, donc bon, c'est bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié le jour férié, soirée en ville. Bon bah tant pis. Caleb a terminé son livre. Caleb a terminé son livre. On va voir ce que ça donne. Ah oui, vendre un éditeur auto-publié. Envoyer une copie à la revue littéraire. Allez. Peut-être que Caleb va devenir plus connu que Marwa, finalement. Hein. On va voir ce que ça donne. Oh oui, ça fait gagner pas mal! Ah, c'est pas mal du tout. Tiens, tu vas remanger un coup. Ouais, voilà. Non, toi, tu vas revenir ici. Hein, parce que là, et tu vas aller dormir un peu dans ton lit. Tu vas aller dormir. Tu vas être reposé. Et toi, mon petit, tu peux faire quand même travailler ton empathie. T'es réveillé, de toute façon. Et tu vas jouer à la poupée! Bon bah moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Marois qui peint en arrivant, Marois qui peint en repartant. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite du Let's Play de Marois. Avec peut-être le retour de la Baby Shima. On ne sait pas. Allez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.